Et coucou tout le monde, c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un petit live arc. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live parce que je voulais vraiment me concentrer sur les vidéos et voilà, vous offrir quelque chose de plus quali, monté, etc. Et du coup, voilà, donc j'ai un petit peu délaissé les lives, mais du coup, ça fait un petit moment que je me dis bah, pourquoi pas faire un petit live sur mon jeu du moment tous les dimanches. Voilà, dans l'après-midi, à n'importe quelle heure, eh ben, on fait un petit live sur le jeu du moment. Et là, le jeu du moment, c'est Ark, forcément. Donc voilà, ça c'est les Sims pour le moment, je laisse de côté et je joue à Ark, voilà, parce que c'est le jeu qui me fait kiffer en ce moment. Donc voilà, donc coucou OBS, coucou Sony, coucou Everytime, coucou Lulu. Merci Sonim, ouais, on a passé la barre des 15K, donc c'est juste trop trop bien, je suis trop contente. Coucou Karim, ça va et toi? Et du coup aujourd'hui, bah voilà, petit live arc. Donc là, je suis dans ma maison, je fais le ménage, comme vous pouvez le constater. Franchement, la maison est pratiquement finie. Bon, il manque un toit quand même. Mais en soi, voilà, moi, je pense qu'on va avancer sur ça aussi avec vous. Coucou Corail, ça va et toi Everytime? Bientôt les 20K, ouh là là là, bah j'espère, mais peut-être pas bientôt, mais ouais, tout 20K, ça c'est sûr. Coucou Séverine. Donc, ouais, vous aimez bien ou pas ma maison en vrai? Genre, vous la trouvez comment? Ça c'est mon perso. Ça c'est mon petit perso. J'ai réussi à me mettre du maquillage. Mes sourcils, j'aurais plus besoin de les couper. Et avec ma petite couronne et tout, mes cheveux blancs, ça fait trop Daenerys et tout. Coucou Batouche, merci Everytime, c'est très gentil. Merci Sunny. C'est quel mode de déco pour ta maison? Alors, tous les modes. Alors, peut-être pas dans la description de ce live, mais sous toutes les descriptions de mes vidéos arc, j'ai mis tous les modes. Donc, mais si tu veux, là, je peux te les donner maintenant. Là, du coup, c'est le mode. Alors, c'est cette table-ci, c'est le CKFR Masonry Table. Donc, voilà. Mais en tout cas, dans les descriptions de mes vidéos Arc, tout est répertorié dedans. Non, c'est pas Arc 2, mais non, Arc 2 sort l'année prochaine, j'allais dire la semaine prochaine. Oula. Non, il sort en 2023, Arc 2. Coucou Marie, comment ça va? Un petit coucou, je t'aime très fort. Merci beaucoup, bah toi aussi. Moi aussi, je t'aime très très fort et je suis très contente que tu sois venue pour me faire un petit coucou, Ophénia. Merci beaucoup. Et bah, gros bisous à toi et bon après-midi. Ah ouais, les Sims 4 vont être gratuits. Je suis grave dégoûtée parce que en soi, moi j'ai acheté tous les Sims. Donc après, est-ce que c'est juste les Sims 4 de base qui va être gratuit? Ou est-ce que c'est carrément les DLC et tout le jeu entier? Ça, je sais pas. Coucou Nils. Coucou Patch, comment ça va? Hello Patch. Ça va, merci Marie, ça va très bien. Donc, tous ceux qui savent pas, Patch Curtis, c'est un YouTuber arc également. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube et à vous abonner. Voilà, parce que c'est trop trop bien ce qu'il fait, c'est du contenu quali et tout. Franchement, vous allez surkiffer si vous kiffez Arc. Coucou Virginie! Le jeu de base, ouais. Bon bah écoute, et pour ceux qui l'ont acheté, genre il n'y a pas de... Je sais pas, non, il nous donne rien du coup. Ouais, juste le jeu de base. Ouais, bah j'espère bien parce que tous les DLC... oui, je vais sûrement tamer ouais, dans ce live. Non, j'ai pas mis la cam, j'ai pas envie de me montrer là. Ok, bon, bah si c'est juste le jeu de base, les gens, on est sauvés. Du coup, là, alors je suis un petit peu perdue parce que moi j'aimerais bien, hop, me faire des murs et faire mon toit. Sauf qu'avant de faire mon toit, il faut que je finisse les murs. Pour finir les murs, alors les portes en soi, là j'ai mis une petite porte. Bah, je meurs de faim. Hein. Ça commence bien. Là, je pourrais mettre une porte, mais je pense que j'ai pas envie. Parce que si tout est fermé, j'aime bien quand c'est grand et ouvert et spacieux. Là, j'ai fait les pièces de là-haut. Alors, Maë m'a aidé hier soir. On a farmé toutes les deux. Donc là, oula. Donc là, ici, ça va être ma chambre.
ma chambre, salle de bain et tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, vue sur le lac, forcément, vue sur mon domaine. Et de ce côté-ci, du coup, c'est la chambre de Maë. Et du coup, là, il y a des petits trous, hop, que je vais combler. Donc ça, c'est la chambre de Maë. Et là, peut-être salle de bain. Enfin voilà, c'est elle qui va faire l'ameublement de sa chambre. Et puis là, petit couloir quand même, parce que sinon, ça faisait un peu petit. Et là, là, je sais pas ce que ça va être. Voilà. Donc, on va peut-être faire une chambre d'amis. Alors, la bolasse, non, merci. Peut-être faire une chambre d'amis, je sais pas. Mais en tout cas, faire quelque chose. Là, en fait, ma chambre, je sais pas du tout. J'ai pas encore fini parce que je pense que là, je vais faire une pièce parce que sinon, ma chambre est trop grande, en fait. Donc, là, je pense que je ferai une pièce en plus ici. Voilà. Parce que ma chambre, sinon, elle va être trop grande. Et ici, mettre une porte, du coup. Voilà. Et voilà, pourquoi pas faire une chambre d'amis si les copains viennent nous voir. Là, on ne sait pas trop pour le moment. Mais voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Ici aussi, là, hop, on a ça à mettre. Ici aussi. Et il va falloir que j'en refasse. Là, c'est pas bien mis. Ouais, peut-être remboursement. Bof, peut-être pas remboursement, mais je sais pas, genre qui nous donne un item ou un truc qui fait que merci à ceux qui l'ont acheté le jeu, quoi, je sais pas. Je sais pas, il y a un jeu qui est devenu gratuit comme. Oula. Il y a un jeu qui est devenu gratuit comme ça, je sais plus lequel. Et du coup, nous, ils nous avaient. Ah ouais, c'est Fall Guys! C'est Fall Guys! Fall Guys, eux, ils nous ont dédommagé en nous offrant des skins et des trucs comme ça. Quand c'est devenu gratuit. Ah ben si, 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 c'est très long à faire tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu, hein, mais moi, je kiffe le farming, en fait. J'aime trop. J'ai pris combien de temps pour avoir une maison comme ça? Je pense que j'ai pris au moins 5 jours. 5 jours et je farmais les après-midi et la nuit. Non, je ne fais plus le montage de Devo. Et le cadeau, c'est le DLC kit de luxe dans le désert. Ah ouais? C'est trop bien. Ça va et toi, Nicolas? Coucou, Otaku! Oui, on se parle toujours avec Devo. Oui, on se parle toujours, mais c'est juste que voilà quoi. J'ai ma vie, elle a la sienne, voilà. C'est des choses qui arrivent, vous savez, avec le travail, tout ça. Mais on se parle toujours, hein, on est toujours au contact et tout. Hein. Alors, j'aimerais bien faire un. Ah, je sais pas si pour faire le toit, je suis obligée de faire un plafond en pierre. Est-ce que vous pensez que pour le toit, je suis obligée de mettre des plafonds comme ça? Ou est-ce que je mets un. Je sais pas, ça va faire moche, non? Mais ouais, je suis obligée de mettre un plafond. Mais ça va faire moche si je mets ce plafond-là, non? Oula, je suis perdue. Bon, je vais refaire des murs. Là, je crois que j'ai plus rien. Non, j'ai plus de murs. Non, hop, on va faire des murs. Alors, j'ai pas essayé de trop en faire parce que sinon après. Ah, Corail, t'as kiffé la série Fur Dur du coup? T'as vu sur la chaîne de Patch? Coucou Papy Gaming, coucou Stool. Ouais, j'utilise des mods sur mon serveur. Eh ben, je joue Nicolas. Mais toi, tu fais quoi? Merci Everytime, c'est très gentil. Ah bon, bah cool alors, Marie.
Le but de Ark, bah, le but de Ark, c'est de partir de rien, de survivre, de tamer des dinos et de faire une énorme maison et d'évoluer en fait tout simplement dans la survie et dans l'aventure. Je pense que je vais refaire quelques murs aussi. Sais plus combien il faut que j'en fasse. Mais écoutez, et les poules, elles sont grave bruyantes. Alors, attendez. Là, c'est où qu'il me faut? C'est là. Voilà. Ici, est-ce qu'il y a un truc à... Oui. Là. Ici, ouais, j'aimais bien ici. Comme ça, je pouvais regarder un peu. J'ai vu sur tout le domaine. Ça, c'est clair, net et précis. Là, il va falloir que je fasse une arche. Là, il n'y a rien à faire à part des arches aussi. Ou des portes, ça dépend. Là, c'est... Ouais, là, il y a une porte. Là, une arche. Ou une porte, hein, n'importe. Et là, une porte. Ok, et sinon, on est bon niveau mur. Ok, donc là-haut, il y a clé-porte en soi. Là, il me faut... Hop, encore un truc là. Et c'est bon. Un truc là. Ouais, c'est nickel. Oh, ça me fait toujours peur, ça. C'est dingue. La porte, il faut que je la déplace. Ok. Donc, il me faut... Alors, les murs, c'est bon, du coup. Vous voyez, j'en ai crafté pour rien. Ça me saoule un peu. Du coup, hop. Des murs. Alors, on va... Alors, je sais plus. Il m'en reste qu'un, je crois. Hein, de murs comme ça. Et le reste, c'est soit des portes comme ça. Je pense que là-haut, je vais mettre des portes doubles pour nos chambres avec May. Faut juste que je regarde ici. Lingot de métal et bois. Ok. Alors, on va reprendre du bois ici. Et là, on va reprendre des lingots de métal. Voilà. Alors que je leur fasse fondre, ça serait bien. Oh non! Je... Non, ça, c'est pas cool, par contre. Alors, non, pas ici, justement. Non, je vais sûrement pas tamer un Rex. Non, ça c'est mort en fait. Non, mais je pourrais en plus, hein, mais je sais pas, il faut combien de flèches pour un Rex? Coucou Loli. Pourquoi la reproduction? J'ai déjà fait la reproduction de Smilodon déjà. Là, il y a un... Donc j'ai Oshi, hein, forcément, qui est toujours là. Et j'en ai une nouvelle. Donc elle va se reproduire avec le père. Voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi, comme on dit. C'est le 13 février, mon anniversaire. Coucou Méline. Merci Sunny. Merci Patch. Je veux des poules. Ah, mais je te jure. Les petites poules. Mais en soi, ça sert trop à rien, les poules, à part peut-être pour les croquettes. Peut-être que c'est des petits œufs, donc. Enfin, c'est des très petits œufs ou des petits œufs, donc ça sert sûrement pour les croquettes. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, les lingots. Coucou Lilia, ça va et toi? Voilà, comme ça, je fais deux portes doubles. Une porte simple. Ouais, je fais un peu de tout, on verra. Et ça, c'est le sailing. Je sais pas du tout faire le tout. Enfin, faire le plafond en bois ou en pierre.
Je sais pas du tout. Là, je... Oh là, les portes. Je sais pas du tout, là, le plafond. Parce que là, en pire, ça va faire moche. Coucou Laetitia, bienvenue à toi. J'attendais tellement que tu refasses un live arc. Ah, trop bien. Et eh ben écoute, regarde, ton vœu est exaucé. Mais en soi, autant faire des grandes portes, hein, non? Faire que des... Oh non. Je suis trop chiante à faire ça. Ah, j'ai tellement hâte aussi qu'il arrête de pleuvoir. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Qu'il arrête de pleuvoir dans ma maison, là, ça serait bien. Hop. En pierre, c'est pas top, ouais. Parce que regarde, là, ça ferait ça en fait. Mais faire en bois, ça serait bizarre aussi. Coucou Angélique! Du PVP ou pas un moment? Bah, ça pourrait être drôle de le faire pendant un live, mais sinon, non, je suis pas joueur PVP. Go, t'as mis un saumon pour mettre dans la piscine. Je te jure, mais j'en ai plein là, des saumons dans mon lac. Du coup. Oh non, pas ça. Ah, mais j'ai plus d'arche! Mince. C'est où que je devais foutre le dernier truc? Je devais pas en mettre un. Ah oui, là. Ok, on va y arriver. Et je vais mettre des rideaux et tout. Ça va être trop cosy, les gars. Ça va être trop bien. Ça, c'est bizarre, le petit grillage dessus, là. Mais je pense que ça va être plus la porte d'entrée. Attendez, je fais des modifications là. Du coup, bah ça, non. Du coup, ça, on va le ramasser. Ça, on va ramasser. Ah, arrête de t'ouvrir! Ok. On va ramasser. Et on va ramasser. Faut que je fasse une. Ah non, c'est moi, il m'en reste une. Voilà, donc mettre ça là. Les murs, je les ai reposés. Ah, oh là là. Je suis la reine des allers-retours. Ok, donc ça là. Bah là, je pourrais mettre la fenêtre ici, non? J'aime bien quand il y a des fenêtres, c'est lumineux et tout, c'est joli. Voilà. Et là, on va mettre la porte. Bon, l'armoire, je vais la dégager. Voilà. Ça, on va la... Hop. La ramasser. Et sinon, ça bloquait un peu le truc. On verra... Ouais, de toute façon, c'est bien d'avoir une armoire à l'entrée, je trouve. Donc, je pense que de toute façon, cette petite armoire, on va la laisser là. Après, on verra. Hein. On pourra toujours faire des changements. Mais ouais, c'est pratique. Attendez, tiens, hop, je vais mettre tout ça ici. Je vais ramener des arches. Des grands. Ça. Et on va refaire peut-être des portes doubles. Voilà. Ouais, ça fait mieux les grandes portes. Ça fait mieux. Pour un Rex 80, il faut 57 flèches narcotiques avec l'arbalète. Ah ouais? Oh, en vrai, je pourrais grave m'en faire un. Coucou Nicolas, ça va et toi? Je m'appelle Alexandra, c'est pour te dire que tu es magnifique et géniale. Je t'adore, alors continue à faire ce que tu fais. Merci beaucoup, ma belle. Et bah, je te fais de très très gros bisous. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Et puis, bah, bon après-midi, du coup, si tu pars. Bisous, Everytime. Merci beaucoup d'être passé. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là sur... Enfin, que tu aies été là sur le live. Gros bisous.
Ouais, ça a bien avancé, hein. Ouais, mais j'ai fermé avec May hier. Wesh, Maïlis, la grenouille, c'est ma coloc. Alors. Là, comme c'est la salle des coffres ici, moi, j'aimerais bien fermer. Voilà. Là, on va fermer. Non! On va fermer là. On va fermer là. On va fermer là. Très bien. Et là, il me refaut encore des portes. Ça, du coup, non, ça fait bizarre. On va mettre une grande porte. Une très grande porte. J'espère que tu vas bien. Je suis tellement ravie de voir ton live. Chez moi, il est tôt. Ça commence bien mon dimanche. Ah, trop bien, mon Mazar. Il est quelle heure chez toi? Ça va et toi, Maïlys? Il y a la vraie Maï. Coucou Angie. Eh ben bon courage Maï pour ton DM de maths. Bon courage. Faut joindre l'utile à l'agréable. Oui, c'est vrai, mais il faut se concentrer aussi, tu vois. Il y a des personnes qui savent pas faire deux choses en même temps, comme moi. C'est très compliqué de parler à vous, de vous lire et de jouer en même temps et de réfléchir un peu à ce qu'il me faut. Donc, ouais. Alors, on recommence, il nous faut... Hop. D'arche. Bon, avant le live, j'ai farmé, hein, donc c'est pour ça que là, j'ai besoin de rien. J'ai déjà tout ce qu'il faut. 8h15, eh ben, t'es au taquet, du coup. T'es au taquet, bah merci beaucoup d'être sur mon live, du coup, c'est trop bien. T'inquiète, ça te fait faire des fails, c'est encore mieux, non mais... Ouais, bah, j'imagine bien que vous kiffez les fails, bah vous êtes sur la bonne chaîne, hein. Franchement, sans vous mentir, j'en fais pas exprès, hein, tous les fails. Pour faire ma serre, je suis morte au moins deux fois. Hein, pour faire ma serre. C'est n'importe quoi. Bah, pour la serre aussi, pourquoi pas mettre une porte? Voilà. Là, on va mettre une porte aussi. Là, on va mettre une porte aussi. Bah, j'ai déjà enlevé le stock de mes portes, quoi. Ou alors, non, peut-être pas mettre ça là. Après, ça fait peut-être trop fermé. Ouais, comme ça fait bien. Et là. Alors, pas là, là. Non, là. Mettre une porte. Hop. Et là, il me faut encore trois portes. 3, 4, 4 portes et une arche. Une arche et 4 portes. Il va me manquer quoi? Il va manquer des lingots de métal. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça, je peux le... Oui. Alors là, il n'y a pas de bois. Mais j'ai plus de bois. Eh ben, super. Je vais mettre ça. Hop. Ok, le bois. Et là. Non, j'ai pas pris mes arches.
mon arche. Et on va déjà prendre les portes qui me restent. Voilà. Et puis moi, ça me dit pas le plafond du coup. Est-ce que je le fais... Maë, si tu es là. Le plafond, je le fais en pierre, comme ça. Parce qu'avant de faire le toit, il faut faire le plafond. Ah oui, et pour les toits aussi, je t'ai pas dit, mais moi je préfère pas le orange. Pas avec les tuiles orange, mais avec les tuiles grises. Je préfère. Coucou Raphaël! Avec les bouts de chou, ça se lève tôt, 6 h, donc j'ai pas le choix de suivre leurs heures. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, bah t'as pas le choix. Mais écoute, au moins t'as un bon rythme de vie, ça c'est cool. Bien sûr qu'il y aura du timing. Ah bah ouais, jour de pluie aussi chez nous, hein. Force à toi. Je sais pas du tout le timing qu'il va y avoir. Ouais, non, le orange, ça fait trop dans le... On est dans le sud alors que là, on est plus... C'est plus un château, tu vois. Hello, ZDFair. Bah là, je fais de la... Là, je fais un peu de constru, là. J'essaye d'avancer avec vous. La construction. Voilà. Ah, par contre, dès qu'on va passer là, ça va s'ouvrir, ça va me saouler, ça. Non, mais moi, je vous dis direct, en fait, là. Là, va y avoir un problème. Il va y avoir un gros problème, ça va me saouler cette histoire. Donc je vais juste, là je vais devoir reculer parce que ça va pas du tout là. Bah voilà, bah c'était sûr. Bah c'était sûr, hein. Attendez, je vais juste laisser celui-là pour me rappeler qu'il faut pas le remettre... Au même endroit. Voilà, bah tant pis, ça fera plus petit, mais bon. Au moins, ça va pas me saouler. Toute façon, il me reste des murs en bas. Vous allez chercher des murs. Coucou Camille, comment ça va? Je sais pas du tout Laetitia, je pense une petite heure, ça sera déjà bien. Pour le toit, go Pierre, du coup, non pas pour le toit, pour le plafond. Mais... Camille, évite le spam, s'il te plaît. Merci ZDFR, c'est gentil. Coucou Xerox. Mais bien sûr que Ark, c'est le meilleur jeu, mais bien sûr. Ah oui, alors là, ça va plus du tout. Bah, exactement, Silver. Mais tu sais que ça m'arrive tout le temps de détruire ce que je fais, hein. Mais sans faire exprès. Hein. Mais ça m'arrive tout le temps. C'est affreux. J'ai envie de me... J'ai envie de me taper quand ça arrive, tu vois. C'est Arc. En bois le... Non, pas le toit, le plafond. Ouais, le plafond en pierre. Ok, ça marche. Bah, le spam de tes phrases, là, à plusieurs reprises. Oui, je sais, avec les épisodes, mais vite de te frapper quand même, mais j'essaye. On essaye, hein, tu sais, de faire les choses bien. Du coup, nous voulons une... Attends, nous voulons quoi? Nous voulons une porte? Pourquoi on veut une porte? Eh ben, on va aller voir, je sais plus. Et j'ai pas envie de crafter pour rien. Alors. Déjà. Très bien. Bon, en fait, c'est bien d'avoir des murs en rab au moins, on sait jamais ce qui peut se passer.
Ah oui. Une porte pour ici. Bon, de toute façon, je laisse ouvert, on verra. On verra bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le truc en pierre. Ou alors, on va tamer du loup. Je pense qu'on va aller tamer du loup, les gars. Parce que comme ça fait un petit peu de construction et un petit peu d'action. Voilà, c'est tout. C'est, voilà, un petit peu d'action, un petit peu de construction, ça rime, on est bien. Et bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Patch Curtis si vous n'êtes pas encore abonné. Franchement, il fait des vidéos arc aussi qui sont trop bien, qui sont ouf. On a battu un boss sur la dernière map de arc, Fjordur. Le dernier boss, Fenrir. Et allez voir du coup si on a réussi à le battre ou pas. Mais voilà, c'est vous allez voir Patch et Lola en action sur un boss. Franchement, cette vidéo, elle est énorme. Allez la voir vraiment, c'est juste ouf en fait. Le jeu, il est sur PS4. Je sais pas s'il est sur Switch, il est sur PC. J'ai jamais tamé un Giganto, non. Enfin, pas toute seule, quoi, tu vois. J'ai jamais tamé mon Giganto. Mais ça va, je vais le faire dans cette série, je vais le faire. Merci, hein, c'est trop gentil. Ouais, je connais Aberration. Mais de toute façon, avec Patch, là, on démarre une nouvelle série. Bon, bah moi, j'ai démarré un petit peu avant lui. Mais sinon, on va faire... En fait, là, le but, c'est de retracer toute l'histoire de Arc sur sa chaîne et sur ma chaîne. Et du coup... on va refaire toutes les maps en fait. Donc on va faire plein d'aventures et tout. Oui, j'ai déjà battu un alpha, ouais. Et coucou tout le monde, c'est Laola. Coucou! Ça Ça va? va et toi? Ça va. Bon bah c'est patch les Voilà, gars. ça se passe bien? Bah ouais, on essaye hein. Je voyais que ça parlait beaucoup de moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit coucou. Bah ouais. Regarde MP. Comment ça va les shiny? Attends, je vais regarder. Non mais allez voir la vidéo maintenant les gars. Allez liker, partager, tout ça hein. Non, mais qui reste sur ton live? Voilà, après le live, Hélène Dieu, exactement. Ah, coucou Milice! Eh ben merci d'être venu du coup, tu as tenu ta parole, c'est bien. C'est Milice qui est très active sur ton Discord, je vois Ouais, souvent. c'est elle. Tu as déjà volé un œuf de wyverne. Bah Je oui. te laisse répondre, Patch. Bah oui, avec moi en vidéo, Voilà. les wyvernes de poison. Sur la chaîne de Patch. Ouais. On a tamé des wyvernes de... Enfin, on a été volé des œufs de wyverne de poison. Et je peux vous dire que les petits potes, c'était pas simple, hein. J'ai fini en slip, comme d'habitude, quoi. Le live, il a commencé depuis quand? Depuis, ouais, je sais pas, j'irais 30 minutes, Ouais, comme ça. 33 minutes. Allez. Bon, on va aller tamer du loup ou pas? Ah oui. Let's go. Ok, les gens, là, la partie fail arrive. Vraiment, elle fait une super base. Ouais, ça va être beau celui-là. Ah, merci, c'est gentil. Bah, on essaye hein, de faire des trucs bien. Il y a Maïlis, la grenouille, c'est la vraie Maë? C'est The Real Maë? It's The Real Maë? Celle qui était sur les aventures de Ark Lost Island, de Fjordur et aujourd'hui sur The Island. The Real Maëlys, la grenouille! Je suis trop impliqué dans mon devoir que j'entendais plus le live. Ah là là, trop d'implications, trop d'implications. Salut famille Tord! Lola, t'as déjà unboxing du Harry Potter. Ouais, en vidéo sur ma chaîne. Coucou
famille Tard. Ok, j'y vais avec quoi? J'y vais avec mon aigle ou avec un Ptera? C'est quoi le mieux? Avec mon aigle. Ouais, avec mon aigle, c'est bien. L'aigle pourra te défendre en cas de difficulté. Après... Non, c'est bien l'aigle. Après, ouais, tu vas avec l'aigle, hein, tranquille. Patch, tu as tamé un Dodorex. Non. Non, non, non. Un Dodorex. Non, non, mais c'est sur... c'est un mode, ça, ouais, le Dodorex, je crois, non? Ouais, ouais. Alors, c'est où que j'avais vu des loups? Je crois que c'est par là, là dans le biome montagnes. Neige. Oui, t'as aussi dans le biome neige, mais il te faut ta fourrure. Ouais, ouais, ouais. Sinon, tu vas galérer. Ouais, ce qu'il faut, c'est sinon aller vers la frontière neige, quoi, tu vois. Mais non, bah, t'inquiète, je vais y arriver, ok, je vais nous ramener un loup. C'est en mode... Alors, les loups, c'est hyper pratique, justement, pour faire les grottes. Bah, les smilodons, non? Pas les smilodons? Les smilodons aussi, ouais, ouais, si, si, si. Bon, si, bah, si. Voilà. Bah, je vais tous les tamer, je vais tous les faire se repro. D'ailleurs, Maë, je t'ai fait ton... Je t'ai fait ton fusil à canon long. Je vais peut-être... Bah, je vais peut-être le mettre sur moi directement, mais après, il fait chaud de base, là, donc... Ça va très vite avoir froid, je pense. En tout cas, c'est cool, tes abonnés aiment bien Ark et tout. T'as des nouveaux abonnés qui se sont abonnés pour Ark. Tes anciens abonnés y suivent parce que finalement, quand tu fais des construits, tout ça, bah, ça ressemble un peu aux Sims. Donc tout s'adapte bien. Hein. Puis Ark, c'est vraiment un jeu complet, hein. C'est vraiment cool. Ouais. D'ailleurs, pour ceux que ça plaît, les amis, et qui êtes sur PC, il va bientôt être gratuit, là, sur Epic Game Store. Je vais regarder la date. C'est vrai. Je joue sur Ark Mobile. Ah. Ah, j'ai jamais testé ça. le live se finit, bah, je sais pas, dans une trentaine de minutes, quand j'aurai tamé mon loup, peut-être, je sais pas. Merci, Mélisse. Et bah, tu gères, Maë, c'est bien, ça. Tu vas plus vite que Théo pour terminer tes DM. Alors. Là, je crois que j'en vois. Ouais. Que tu fais, tu sais, tu prends leur aggro et tu les attires en dehors de la neige. Tu vas les tamer un peu plus loin. Regarde, t'en as à droite. T'en as à droite, là, sur la frontière. Ouais, mais là, ça va pas être des hauts levels, là. C'est quoi, ça? Je crois que j'ai vu un level 15. Oui, non, mais c'est nul. Je vais pas tamer un level 15. Ah, 120. Il y a un loup 120. Ça, c'est intéressant. C'est une femelle. Alors, par contre, ce que tu peux faire, essaie de le grab aussi avec ton aigle et l'emmener loin. Je sais pas. L'emmener par chez toi. Clic droit. Clic gauche ou clic droit? Bah, essaie sur un autre. Essaie sur le level 15. Attends, c'est un 30. Non, alors attends. Vas-y, hop. Oula, non, c'est pas. Ah, retire ta. Voilà. Voilà, tu vois, tu peux le grab comme ça. Ok. Là, tu peux même le bouffer, là. Vas-y, regarde, tape-le. Clic gauche. Voilà. Ah, c'est bien! Voilà. Là, des fois, pour des petits dinos, t'as pas envie de t'embêter ou quoi, tu l'attrapes. C'est génial! Du coup, je peux les tuer easy, my friend. Exactement. Et donc, du coup, le loup qui te plaît, tu peux le grab et le ramener à côté de chez toi. Une fois à côté de chez toi, bah, tu le filais et tu le couches. Oh ouais! Attends, lui, je vais me le faire. Attends, c'est qui lui? Ah ouais, c'est lui que je veux me faire. Ah bah non, mais du coup, je suis bête. Et Ark 2 annoncé aussi. Ouais, ouais, Nils, carrément, Ark 2 en 2023, je suis tellement sûr, hypé. Oh. Ça va être génial. C'est pour ça que là, avec Lola, on a envie de vraiment terminer Ark 1. Faire toutes les maps, faire toutes les histoires, toutes les boss et tout comme ça. On ira sur Ark 2 en se disant, on a fini Ark 1.
Et au moins, on aura habitué la communauté à Ark et tout. Et puis, on peut vous faire découvrir un autre jeu. Des fois, on... Ouais, je sais pas, il y a peut-être des gens d'entre vous qui connaissaient pas Ark et qui ont vu Lola faire des lives sur Ark et se dire, mais en fait, c'est trop bien. Mais j'arrive pas, le grave. C'est clic gauche ou clic droit, déjà? Bah, je sais plus. Tout à fait. Je vais prendre tes touches. J'arrive plus. Hop, voilà, tu l'as. Ah non. Ah, j'allais la voir là. Bien fait ton énergie par contre. Oh non. Ah si. Lola, la vie de ton. C'est ta vie ou c'est la sienne? Barre-toi. Barre-toi. Oh. Oh, il est mort. Il est mort. Il est mort, finalement. Il est mort. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Oh, c'est mort. Cours, cours, cours. Mais non, mais c'était mort, c'était mort. J'en ai marre. Bon, bah, je suis bonne Artha Bernard-Jeanne, quoi. Oh là 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 là. Mais non, mais en fait, j'étais en train de t'écouter, on était en train de parler, je regardais pas mon énergie. Oui, mais moi, je parle, mais je joue pas en même temps, hein. Bah oui. Fais attention. Bah oui, et pourquoi ça fait ça? Bah, le faisceau vert, c'est sûrement une mangeoire ou alors un parasaur. Oh non, mais c'est chiant. Ouais, c'est chiant quand ça fait ça. Non, j'ai pas le temps. Ouais, prends le deuxième Argent. Non, c'est à Maï. Bonne chance avec les loups. Maï, elle va voir ça, elle va câbler. Pour le breeding, ne monte pas le niveau de tes dinos. Le petit prend les stats avant la montée de niveau. Oui, exactement, Ligiros. Salut Daniel. Bon bah là, go aller rechercher ton stuff. Fais un test pour Grab. Comme ça, t'as la touche directe et t'attrapes... Bah, je sais pas. Essaie d'attraper un de tes dinos, là. Un petit. Ok, c'est clic droit. Voilà. Là, c'est bon, là, tu peux le relâcher. Là, tu l'avais. Allez, go retourner chercher ton stuff et ton loup. Au moins, il sera pas mort pour rien, ok? C'est vrai. Il aura donné sa vie. Exactement. Mais non, mais en plus, c'est des trucs débiles. Je sais ça, de base. Mais j'ai oublié. Et je voulais... En fait, je suis en train d'écouter Patch et je suis en train de vous lire à gauche. Et je suis complètement déconcentrée. En fait, c'est à cause de vous, en fait. C'est notre faute. Voilà, c'est notre faute. Regarde MP, Patch. J'aime bien parfois quand tu... Tu me réponds parfois en message privé, c'est bien. Ok, c'est parti. Alors là, faut pas... Là, faut rester motivé hein, dans ces moments-là, parce que... Alors, je suis morte où? Mais avant, le faisceau vert, on le voyait de loin, et maintenant, c'est fini, quoi. Oula, c'est quoi cette... T'es pas un peu plus haut? Oh, fais gaffe, ça c'est le sort. Oh la vache. Vraiment, je crois que t'étais plus haut. T'étais un peu plus haut. Ah là, il y a du danger. Hein. Ouais. Ça, il est là, ton faisceau. Ah ouais. Oh, je fais comment, là? Pour récupérer mon stuff. Là, tu as déjà joué dans un mode de Ark. Bah, il y a des modes à activer sur le serveur. Mais sur, par exemple, des maps où tous les dinos sont modés et tout. Non, pas encore, on l'a pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est... Il y a des loups à côté de toi. Mais Lola, mais c'est... Mais c'est pas possible, ça. Non, mais... je t'ai demandé si j'y allais, tu m'as pas répondu. T'as préféré lire le chat, donc j'y suis allée. Mais Lola, il y avait trois loups à côté de toi. Et je me suis dit, ça va. Je vais pouvoir y aller, mais mon mec, il a volé. Mais c'est pas des labradors, Lola. C'est pas des labradors. Là, c'est des loups, ils vont te manger tout de suite. Mais. Oh, ils vont peut-être bouffer l'aigle de Maï en plus. Mais c'est pas grave, je vais lui retamer un. Oh là là. En plus, on l'a tamé à deux. J'espère que Maël est plus sur le live. Donc là, on est. C'est 50% le mien, 50% le sien. Parce qu'on l'a tamé à deux, hein, donc.
Je l'ai enfermé dans le piège et Maé lui a foutu des flèches, donc... Bah là, tu lui dois 50% d'un aigle. Oui, non, mais je vais lui en retamer un. Il est même pas encore mort, ça a même pas eu le... Par un niveau 15. Bah ouais, mais il y en avait 3. Il y avait un niveau 120 ou 130, je crois. Un niveau 15 et un autre. Oh non. Oh là 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 là, mais non. Oh là là, t'as pas fait de parachute? Regarde si tu peux pas te crafter un parachute là en 2-2. Mais j'ai rien sur moi. Oh non. Ah ça c'est Arc hein. Ça c'est la magie de Arc, tout peut bien se passer. Et dingue. Oh là là. Oh, oh ça va. Oh non, ils arrivent. Sauvés. Ils arrivent. Oh, oh donc, vite, envole-toi. Envole-toi, envole-toi. Oui. Oh là là. Ils sont partout quoi. Oui, oui, oui. Fais gaffe, t'as pas beaucoup d'énergie. Récupère le full. Mais je peux pas me mettre full, tu veux que je fasse comment? Bah là, t'attends. Ah, tu parles de l'énergie. Mon aigle, il est toujours là. Coucou Raphaël, coucou Leïla. Ouais, tu devrais te checker quand même. Vas-y, envole-toi tout de suite parce qu'il doit pas être loin, ils sont là. Mon aigle. Non, 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 non. Oh non. Vite te suivre. C'est bon. Soufflez tous. Eh bien. Il te suit pas, je crois pas. Si, il me suit. T'es sûr? Mais oui, il me suit. Ok. Tu dois peut-être monter sur ton argent. Comme il est plus lent, le Terra, t'es sûr qu'il va suivre. Ouais, mais là, je suis en train de crever en fait. Ouais, bah là, c'est bon. T'as mis ta fourrure, qu'est-ce que tu fais? Arrête de me stresser, Patch. Non mais là tu me stresses trop là. C'est bon, j'ai dit plus rien, j'ai dit plus rien. En plus t'es en retard comparé à ma vision de jeu, donc... Ah ouais. Ah oui, bah oui. Bah, il y a une seconde de décalage. Même plus, non? Il n'y a pas 15 secondes. Non, moi j'ai très peu de secondes. Ok, on fait quoi là? Bah, on va là, chercher mon loup. Oui, oui, tu ramènes le Ptera déjà. Non, c'est bon. Si, 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 bah... Patch, tu fais un live sur ta chaîne ou pas? Non, je suis pas en live, Mills. Je suis pas en live, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse un de ces quatre de live. Ça fait longtemps. À l'époque, je faisais beaucoup de live sur Fortnite. Après, je commençais à faire des vidéos. Non, mais ça repop là, les loups, ça va pas? Bah, c'est bien, il y en a beaucoup. Prends celui qui t'intéresse et hop, tu l'embarques. Bah, ouais, mais il est où le mien? Ah, ce suspense. Ok, je vais peut-être ramener mon Ptera, t'as raison. Ah oui. Parce que si je meurs, je fais comment? Voilà, exactement. Parce que là, c'est mon dernier volant, là, hein, le Ptera. Hein. Coucou Tanalika, bienvenue à toi. Coucou Tanalika, coucou Franky. Salut Franky. Quel Franky, toi? Bon, j'habite où, la pression est à son comble. Ah, puis on voit rien, il y a du brouillard. C'est là qu'elle sert la Spyglass. Hein. Ouais. Mais. Patch, je me suis abonné à ta chaîne car j'étais pas abonné. Merci beaucoup, Mills. Bienvenue à toi. J'espère que le contenu te plaira. Bah, c'est du contenu essentiellement sur Arc. Hein. J'avais fait un live sur les Sims à l'époque, mais il date. Et si tu ferais un petit piège, tu trappes le loup 120, tu l'emmènes dedans,
Crois-tu que ce serait plus simple pour toi? Ouais, ça pourrait être une bonne idée. En fait, c'est vrai que si t'avais un piège ici, ça serait pas mal. Il faudrait que t'aies un piège et comme ça tu remets tes dinos. Mais au pire, je pense que là, comme ton piège il est pas fait. Non, 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 là je vais prendre tu t'envoles, le loup. Ouais, tu et vas je grave me le casse. Loup, tu... voilà, et tu le jettes dans le lac. Comme ça, tu... Dans le ouais, lac? comme ça, il prend sa... ouais, ouais, comme ça, il prend sa douche, il est calmé. Ensuite, toi, tu te poses avec ton aigle, et en fait, il va vouloir t'attaquer, mais tu vas être en hauteur. Ça veut dire que tu vas pouvoir lui mettre des flèches de haut, ou alors le filer. Et une fois que tu l'as filé, bah... voilà. Tu peux le coucher. Et au moins, tu vois, il sera couché devant chez toi. Bah, je peux pas le filer, plus qu'à je attendre peux qu'il juste se réveille. Le voler. J'ai plus de filet. Ah bah, refais un filet, peut-être, non? Je peux pas, j'ai pas de polymère. Y a Ah! pas, y a pas de polé, de pola, de Et bah pélagornis dans ce cas-là, qui spawn. tu vas lui mettre des flèches dans ce cas-là. Tu l'embarques chez toi, tu le mets dans ton lac, comme ça il sera juste en dessous de chez toi. Et tu l'auras en hauteur. Tu connais Crystal Eyes? Ouais, elle est trop bien cette map. Mais on l'a pas encore fait. On l'a pas encore faite. La Crystal Eyes. Et franchement, elle me tente un peu. Est-ce qu'elle est bien complète cette map? Est-ce qu'il y a moyen de faire une saison là-dessus? Ok, 120. Ouais, au pire, tu peux le bolas, hein. Bolas. Tu te calmes, toi, dans la douche. Ouais, non, j'en ai pris un mauvais, là, non? J'ai pris un 90. Ah non, c'est bon. Là, c'est un 120, là. Ah non, c'est un 90, effectivement. Bah, écarte... quoi. Écarte-le du groupe. Je le prends ou pas? Je le prends. Ouais, prends-le. Oui, Zerwan. Bah, en vrai de vrai, il a l'air docile en plus, ce loup, là. Ah ouais? Bah, level 90, ouais, le 120, ça aurait été mieux. Mais jette-le là, comme ça, en fait, tu l'as écarté du groupe, ça te fera un danger en moins, non? Tu vas chercher le 120. Non, mais comme ça, je peux faire de la repro. Pas avec un 90. Bah, pourquoi pas? Ah bah, faut faire de la repro avec des hauts levels, hein. Bah oui, mais tu connais The Island, y a pas 1000 hauts levels, hein. Là, j'ai de la chance parce que j'ai un 120. Mais... Ouais. 90, Oula. À part si tu veux faire une lignée de dalmatiens, mais... Oula, il va tuer tout, Il va se friter avec les castors. Bon, en gros, c'est ça l'idée, tu vois. Et tu le jettes là, et ensuite tu le tames, tu vois, t'as une bonne vue. Une lignée de dalmatiens, Là, c'est pas des loups, quoi, des levels 90, je vais t'en donner, moi, des loup, dalmatiens. On est plus sur du caniche, quoi. Non, 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 mais attends, les mutations tu de stats, le tu connais ou pas? Mais bien sûr que je vais le tamer. Pourquoi je le tamerais pas? Mutation de stats, mais tu vas mettre 3 semaines à avoir un level 150. Bah, je m'en fiche, si ça me plaît. Nédor. Là, il arrive. Oh, bah, t'inquiète pas, il va pas. Oh non, mais si, okay. Se frite avec les autres... Oh, t'inquiète pas, le castor, il va peut-être te tuer. Attends, mais c'est un chien ou un loup? Attends, mais... Ah non, c'est vraiment un loup, je croyais que c'était... Mais non, mais pas bouger! Oh, regarde, là, il va le finir. Le castor, il va le terminer avec. Là, je vais m'énerver, hein, je vous jure. Bah... Ah, c'est bon. Rien parce que tu m'as dit de pas le prendre, je le prends. Rien que pour ça. Mais Lola, je t'ai pas dit de pas le prendre pour t'embêter ou pour... c'est juste parce que c'est un 90 et t'as un level 120. Je sais, sauf que je peux tamer les deux. Tu peux tamer les deux, ça c'est sûr. Hein. Mais et torpeur. Faut pas que je tame dans l'eau par contre. Exactement. J'ai déjà fait cette erreur dans une de mes vidéos, les gars. De quitter, désolé. Salut Mills. Bisous. Ça va et toi, Julien? Là, tu vas faire l'histoire du jeu. Salut à Zerwal. Oui, c'est prévu. Pas bouger. C'est prévu de refaire l'histoire du jeu de A à Z. Oh. Ça va, je suis à côté de chez moi, on s'en fiche. Oui, 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 oui. Oula, par contre, vous vous calmez en fait.
Non mais ils sont tarés eux hein. Non, c'est parce qu'ils veulent se taper avec le loup. Oh là là. Bah oui mais ils non, c'est mon timing. Il fait quoi lui? Oh là là, mais il se tape avec mes dents. En neutre. Il va pas se faire fumer par contre. Ah non, si tu le mets en neutre, il va se défendre. Ah merde. Ouais. Énorme. Donc là, le loup va t'attaquer là. En passif. Mais... bolasse-le ton loup. Il est mort, bolasse-le. Non, alors... pas de charrette. Arrête. Mais je fais quoi? Je fais quoi par t'aider? Mais tais-toi. Tais-toi. Tu me stresses. Ok, bah je dis pas. Oh, déjà que c'est assez stressant comme ça, alors si derrière vous avez... Mais moi aussi ça me stresse. Alors si quelqu'un vous avez derrière... Oh la vache. Non mais Lola... C'est quoi, tu devrais faire une vidéo compilation de fail. Ouais. Oh putain, il va t'attaquer. Mais il est où mon aigle? Il est où mon aigle? Je ne te dis rien. Mais non, mais le regarde, l'autre abruti d'aigle. Regarde où est-ce qu'il est. Je ne dis rien, je veux pas te stresser. Non, mais regarde où est-ce qu'il est, l'abruti d'aigle. Remets des lits, par contre, je pense. Non. Je veux juste que mon aigle redescende, là. Parce que ça va... pas du tout. Tu te fais fumer par ton propre toutou, quoi. Heureusement que t'as pas pris le level 120. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu tester avec un 90. Bon, il est où le... Il est où l'aigle? Putain. Je sais tout sur Ark, j'ai commencé une aventure. Ah, trop cool, Zerwal. T'as commencé sur quelle map? Attention, ferme. Non mais arrête! Ah bah excuse-moi, non mais on sait jamais si t'avais pas vu. C'est bien sûr que j'ai vu. Mais là, prends ton arbalète. Non, là je veux que mon Ptera et mon Argent redescendent. Mais s'ils redescendent, ils vont se taper avec le loup. Je veux voler, je veux quelque chose qui fait que je vole. Il est où l'Argent? Bah t'as mis une mouette. Mais là... Il est où l'Argent? Je reviens et tu es morte. Regarde Maëlle le nombre de stuff qu'elle a. Il y en a 3-4 dans la montagne aussi. Ah, ça se passe bien avec le loup. Ah, tout se passe bien là, elle est en train de taper Médor. Non mais il est resté bloqué là-haut. Il fait une petite séance de dressage. On va pas se mentir que le toutou est un peu récalcitrant mais... Regarde, il toque à la porte, il veut ses croquettes. Eh, te fiche pas de moi, ça va pas m'amuser longtemps. Allez. Allez, une tête. Alors, Lola, sans vouloir te dire trop de trucs, moi, à ta place, pendant qu'il est bolasse, je me mettrais en hauteur, tu vois. Oh, il s'est couché. Regarde, il se couche. Ouais. Oh, il est tamé. Il est couché. Ah, je savais pas qu'il se couchait comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas ta main, loup. T'as vu, il tombe pas comme une merde. Genre, il se couche... Ouais. Il s'agenouille devant moi. Comment t'as fait pour le mod? Parce que c'est le vrai loup de Ark. Ouais, ça, c'est le vrai loup de Ark, ça. Mais en fait, il y a un mode avec les animaux. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment, le mode? C'est Wild. Le Man is Wild. Ah ouais, Wildlife, un truc comme ça. Mais de toute façon, alors peut-être pas là dans la description de ce live, parce que j'ai complètement zappé, mais dans la description de mes vidéos Ark. Donc prenez la dernière vidéo Ark, et vous allez voir dans la description, j'ai répertorié tous les modes. Bon, et lui, là? Et du coup, ça rajoute plein d'animaux sans retirer les animaux de The Island. Maëlys qui dit « Je termine mes devoirs et je pense me connecter aux jeux vidéo. » Eh ben, viens jouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai peut-être commencé ma nouvelle aventure. Hein. Ça y est. Hein.
Bah, il faudrait, oui. Ah là, étant donné qu'on vient de finir la dernière sur Fjordur, j'ai du mal à me dire ça y est, c'est parti. J'apprécie d'abord la fin de Fjordur et. Bah, je sais pas si je tournerai aujourd'hui ou si je tournerai demain. Franchement, prends ton temps et puis de toute façon, bah, quand t'es lancé, hein. Ah bah ça après, ouais, c'est clair. Ah mais là, je suis en pleine insolation, là, ça va pas du tout. Vous êtes les meilleurs, merci Julien. Non, là, je suis en train de crever, là, c'est ça va pas. Ouais, mange de la viande cuite. J'en ai plus. Ah. Ouais. Ah. Il y en a pas dans un des. Bah, dans l'aigle. Je sais il en a pas. bouffé? Il Je a sais bouffé un loup pas tout à où l'heure. il est l'aigle. Ah ouais, tu vas rechercher la bouffe dans les mangeoires, quoi. J'ai Oh paumé non. l'aigle. Ah ouais, non, tu vas dans la gamelle des dinos pour te Oh, faire un steak, quoi. et nous, on est des guerrières, hein. On n'est pas Ah, des lavettes là. ah ouais, on a l'âge de pierre, quoi. Ouais, c'est. Oh bah. Ah, tu mettras un petit peu de sel, un peu de poivre quand même, hein. Non. Bon, attendez, je reste ici, là. Voilà, j'attends. Salut Théo, ça va? Faudrait peut-être que tu t'habilles un jour. Que tu joues aussi, peut-être un jour. Je sais pas si tu verras ce live, mais. Non, bon, Maë, je vais tout expliquer, d'accord? Je vais tout expliquer. Le tien n'est pas mort, je crois pas. Tu vois, Lola a été tuée. Phoenix a été tué, mais tu vois, entre-temps, il n'y a pas de. Chiante a été tuée, tu vois. Donc, c'est qu'elle est quelque part. Dans le ciel. Mais Patch! Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'es sérieux là? Mais non, mais son aigle, il est quelque part, je le sais. Et lui, tu lui as mis de la viande au loup? Oui, bah oui, quand même. Tu vas l'appeler comment? Je sais pas. Mais là, Tu feras Arc 2 avec Patch. Alors, Patch, il n'y a pas de E. Zéro mal. Mais ouais, carrément, bien sûr qu'on va faire Arc 2. On est complètement hypé. Ah, tu vois, regarde, elle est là, chiante. Elle est là. C'est pas grave, zéro mal. T'as regardé ma série sur Fjordur, Zeroual? Du coup, Maï, j'irai en retamer un autre, bah, un meilleur pour moi, quoi. Voilà. Bah, pas dans le feu, elle est bête. Les poulets grillés ce soir. Pas bouger. Ah, ils me prennent la tête là, tous ces dinos là, ça commence à me. Ils écoutent pas, c'est énervant. Du coup, j'hésite à tamer le 120. Ah bah si, faut le tamer, hein. Mais vu là comment j'ai galéré. Non, mais c'est parce que c'est la méthode qui était un peu à l'arrache. Ok, je sais comment je vais faire. D'accord, les gars? Je Ouais. vais faire des plateformes ici, je vais mettre une échelle et Voilà. je vais me suspendre là. Exactement. Ou Alors. tu te mets sur la roche, tu vois. Ou tu vois, quand il est sur le lac, toi, de ta maison, t'as vu sur le lac, tu vois, il te faudrait des petites passerelles, des Ouais, mais petits je vais me trucs. faire des petits remparts, tu vois. J'ai déjà commencé, je vais les finir. Ou alors tu fais juste un petit piège, hein. Non. Non, Tu vois c'est les bon, pièges que j'ai fait sur ma chaîne? j'ai mon Ils sont idée, en là. petit pour le loup. Ouais, mais là, non, j'ai mon idée, je sais comment faire. Ouais, je pense que je vais faire des fondations. Lui,
L'efficacité du faux loup est basse. Hein. Comment ça, du faux loup? Bah, du loup que j'ai tamé, quoi. Pourquoi c'est un faux loup? C'est pas le loup de... Bah, si, c'est le loup de... Ah. Non, mais... comme c'est un mode, il devient un faux loup. Bah, attends, mais c'est un arc... C'est un loup modé, là, que... Bah, je sais pas, apparemment. Non, c'est marqué loup sinistre. Non, non, on va voir, c'est marqué loup sinistre. Mais je sais pas, ils non, ont c'est, un... c'est Mais je sais pas, modé. Tout le monde a un problème avec mon loup. Non, mon devin. Mal loup. C'est pas marqué loup sinistre. C'est mal loup. Ah, c'est vrai, mais c'est ça. C'est un mais loup si, modé. Il a raison, c'est un loup du mode. Voilà. C'est pour ça que quand je le regardais, je me disais, mais ouais, on dirait un toutou et tout. Et puis même quand il s'est couché. Oh. Alors, par contre, écris pas en majuscule comme ça, parce que sinon tu vas être ban. Et essaye de bien écrire aussi parce qu'on comprend rien. Ah, donc c'est un loup, effectivement, Zero, t'as raison, c'est le loup du jeu. Mais bah, oui, je prends bien soin d'elle, Maë, mais bien sûr. Mais oui, c'est un loup modé. C'est pour ça que je le voulais, moi. Je le trouvais super beau. Bon, bah, va chercher le 120 alors. Attends, j'attends, je termine que déjà ça soit fini, d'accord? Non, mais parce que l'autre, il va le. L'autre, il va me le bouffer. Et quand je vais le ramener, il va le bouffer. Où c'est ça qu'il faudrait que je mette? Ok, bon appétit, Zeroual. Ah oui, ça se pourrait être en hauteur. Ouais. Bah oui, c'est pas pour... Je vois, t'aurais plus simple à faire un piège, en vrai. Mais non! Bah, là, je vois que t'as déjà 6 fondations pour le sol. On va les mettre en 3x3. On va juste à crafter des cadres de porte en pierre là. Et à faire régler. Hein. Là, regarde, t'as 6 fondations du mode là. Non, pourquoi tu fais des plafonds? Et parce que je veux faire des plafonds. Ah, ils ont pas de stam, les loups du jeu? Je sais pas, on va voir. Comme ça, moi, je me mets là-haut. Et puis le loup, il sera là. Et moi, je serai là-haut. Lance-Louan, fais une cage pour le tam avec 2 fondations en pierre et 8 cadres de porte autour avec l'argent, tu le jettes dedans. Voilà, c'est à peu près l'idée, ouais. En tout cas, il est super beau. Mais non, mais Valérie, elle dit c'est sur le. C'est sur l'argent et le ptera qui a dit qu'il faut de la stam, c'est pas sur mon loup. Ah bon? Bah oui. Ah, je croyais que c'était les faux loups qui n'avaient pas non, de stam. Non, il faut lire, Patch. Ah oui, d'accord. Je pensais que... Je crois qu'ils sont chauds du coup, les loups, comme ça, là. Il a combien en vie? Il a 10 de vie. Non, mais je vais faire de la repro, d'accord? Oui, mais pour faire de la repro, il faut des mâles reproducteurs. Tu vas pas reproduire un caniche nain croisé avec un chihuahua et un labrador croisé avec un mammouth. Tu fais pas de la repro avec des trucs comme ça. Tu fais de la repro avec des levels 150, Lola. Hein? Il est beau. Coucou Zachary. Il est beau, les loups. Il est beau. Fais de la repro avec, vas-y. Salut Zachary. De là? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Okay. Du coup, pour le piège? Non, je ferai pas de piège. Me saoule pas avec un piège. D'accord. Okay. Je fais pas de piège. J'ai mon idée. Tu t'as mal à l'ancienne, toi. Moi, je fais mon idée, c'est tout. Toi, tu pars en slip, une bolasse. Une massue et puis let's go quoi.
T'as raison, comme un homme. Ah oui. Elle est têtue. Non, Francky, non, non. Têtue, alors. Ouais, je suis têtue, ouais. Et quand j'ai décrété quelque chose, je le fais, en fait. J'ai un caractère de merde, hein, vous allez le voir. Mais oui, c'est mon jeu. C'est mon jeu. Donc je fais comme j'ai envie de faire, en fait. Exactement, tu fais ce que tu veux avec ton jeu vidéo. Et moi, j'ai besoin de me prendre des murs pour me dire « Ok, c'est pas possible. » Parce que sinon, j'ai pas la joie pour me dire « Non, c'est déjà pas possible. » J'ai pas assez d'expérience de jeu, en fait. C'est Ark, je viens de commencer. T'as besoin de te tromper pour... Bah, pour apprendre, bah ouais. Bah c'est ça. Bah, après tu sais, des fois, il y a des gens qui vont t'éviter de faire des erreurs. Comme ça, au moins, ça t'évite de faire ces erreurs-là. Non, parce que du coup, ça sert à rien d'écouter les gens et au final, de pas savoir jouer. Effectivement. Parce que t'écoutes les gens. Ah, du coup. Oui, pas surtout quand ils te donnent tes conseils. Hein, mais des fois, c'est un gain de temps. Après, tu... Ça... Oh putain, ça me saoule. non, mais tu vois pas... Non, mais moi, je sais jouer aux jeux vidéo quand même. Oh la vache. Maë, j'espère que t'es là et que t'écoutes bien ce qui se passe. Non, mais Lola, je connais le jeu vidéo quand même. J'y joue depuis sa sortie en bêta. Mais je sais ça. Non, mais fais un piège. Tu mets juste des fondations et autour, tu mets des cadres de porte. Tu prends ton aigle, tu vas chercher ton loup, tu jettes ton loup dans ton piège et ensuite, t'as plus qu'à le tamer. Et ton aigle et ton piège, il va te servir pour tous les autres dinos. J'ai fait un piège à dino sur Lost Island avec Maë. Maë, elle va te dire la même chose. Pour le coup, si elle est objective. Elle va te dire, bah si, le piège... Tu te souviens, Maë, le piège qu'on avait fait pour les Argentes, pour les Raptors. Bisous Silver. Mais ça conduit non. De quoi non? Tu vois, elle est pas objective. Ouais, tu gères. Ah merci Francky, voilà un connaisseur. Oui bah si vous êtes des connaisseurs, allez pas sur ma chaîne. Francky connaît le jeu vidéo, c'est tout. Il en a tamé hein du. Il en a couché du T-Rex, hein, comme on dit. Là, Francky, il part au petit matin, la petite clope au bec, il se dit hey, « qu'est-ce que je vais coucher aujourd'hui hein ?» Ça part sur du T-Rex, quoi. Voilà, il part à l'aventure avec sa bite et son couteau, et puis voilà. Hein. Voilà, quoi, c'est plaisir de Ark, quoi. Hein. Alors, bah. Ah ouais, c'est comme ça que je vis le jeu, hein. À la fraîche, hein. Enfin, à la fraîche. Hop, tu prends 2-3 pots de narco, ton petit chapeau, et puis let's go, quoi. À l'aube, hein. Je joue mieux depuis que je vous regarde, c'est sûr. Ah bah, on a quelques petits... Bah c'est vrai que c'est... Déjà, de regarder des streamers jouer, bah du coup, ça motive, on apprend des trucs, et puis peut-être de partager nos tips ensemble. Là. Ouais. Alors, tu m'as dit des fondations. Exactement. Là, je suis en train. Voilà. Donc là, ces 6 trucs-là, on va les poser. Coucou, petit loup. Ah bah voilà. Ah bah il peut pas. Il est trop beau par contre. Hein. Lola fait un piège avec Dinoport sur l'île aux carnivores. Ah ouais, ça c'est vrai que ça c'est pas bête ça. Là tu te fais un piège là-bas, tous les jours tu vas voir s'il y a du haut level ou quoi. Dès qu'il y a un haut level, hop, dans le piège. Oh, il est magnifique ce petit loup, hein. Ouais, il est trop beau. Bon. Est-ce qu'on attaque la construction de ce piège? Bon. Tiens, mets-le sur la... Ouais, mets-le là. Hop, tu mets 6 fondations. Allez. Un 3 par 2. Oh putain, j'en ai mis un en dessous.
Ah merde, ouais, ça c'est les trucs du mode. C'est chiant ça, les modes, quand c'est comme ça. C'est le seul truc que je reprocherais. Bah, reviens en arrière alors si c'est trop haut ça. Oh, Ah c'est c'est bon, bon. non. Voilà. Là, je fais un 3, tu m'as dit. Ouais, tu peux faire un 3 par 2. Voilà. Non, 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 là, devant toi, non, 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 à gauche, voilà. Là? Non, à gauche, là. Voilà. Et voilà. Maintenant, tu mets tes cadres de porte. Là, c'est bon, ça, là, c'est. Maintenant, tu mets tes cadres de porte autour, enfin, sur les côtés. Ah oui, t'as pris la dino porte. Ok, bon. C'est ce que Et ça va j'avais te servir déjà. aussi, ça va te servir, ok. La dino porte, tu la mets tout au bout là-bas. Tout au bout. Ouais, le plus au bout possible, quoi. Hein. Sur la fondation? Voilà. Bah ouais, ou carrément, ouais. Là? Voilà, comme ça. Bah ouais, du coup, faudra, on verra, ouais, faudra mettre des escaliers, quoi. Pas grave, tu mettras des rampes. Hop. Voilà. Allez. Et après? Voilà. Et après, je fais quoi? Ouais, de ce côté-là, t'es pas obligé. Après, Non non, il mais faut des cadres de porte. le loup Des cadres. il va passer Voilà. Yes, c'est pour ça qu'il faut des cadres de porte. Et puis prends des rampes aussi, si t'en as. genre ça des cadres de porte en pierre. Il m'en faut combien? Non, oui, exactement, c'est ça. Un étage devrait suffire pour les loups. Mais je mets combien de cadres du coup? Bah, tu en mets tout autour. Mais combien? Bah, du coup, ça fait quoi? 3 par 6? 6, 7, 8? 3 plus 8. 8. Ouais. Ok. C'est vrai que le loup ressemble à un chien, mais ouais, trop, il est trop mignon. Bon, bah voilà, hein. Tu vas pas l'attirer, tu vas le grab, le loup. Ouais. Là, tu vas mettre voilà, tes cadres de porte sur le piège. Allez. Allez, Lola. Ah, je Allez, veux lâche. pas le faire le piège, hein. Allez. Ah oui, un loup rose, oui, Olivier. Ouais, on verra, Francky, on verra. Bon, Voilà. on fait quoi là? Allez, vas-y. Tout autour? Ah bah oui. Oui, mais le loup, il va passer entre eux. Allez. 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 Hop. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Bon, bah maintenant mets ta porte dino. Voilà. Et le loup, Bon, il alors ta passe pas porte. là? Non, les loups ne passent pas. Ok. Toi, tu peux t'enfuir. D'accord? Très bien. Donc, si tu veux attirer un dino qui est à l'extérieur du piège, bah, en fait, tu vas courir, tu vas ouvrir la porte dino, tu vas courir, tu vas Oui. l'attirer à l'intérieur, et Oui, ensuite, non, toi, mais tu ça, vas je sais, tu m'avais te déjà balader. appris, mais Ah, ok, super. avec ça, tu vois. Ça marche. Donc là, maintenant, tu vas aller Me chercher sens ton taré! dino. Maintenant, tu vas. Ah bah. Bah, tue-le. Non, j'ai pas le temps pour Tue-le lui. avec ton loup. Avec ton loup. J'avoue. Tu crois que. Bah oui, quand même. Et c'est là où on. Attends, je suis trop lourde. Alors non, je vais le mettre sur mode. Oh, ouais, mais non, après, j'avais trop chaud là. Un loup rose, s'il vous plaît. Ah Oui! bah Olivier, on a déjà eu le Fenrir. Je sais pas si t'as vu, mais on a battu Fenrir en alpha. Et on a gagné un Fenrir rose. Donc on est Bah, moi, j'étais bien, trop bien. contente. Ouais. Allez, bute-le! Voilà, oh le coup que ça gagne. Il est mal. T'as vu, ça a fait un petit symbole là sur lui. Ouais, sur les loups, tu vois la santé des dinos que t'attaques. Il est super beau ton petit loup là. Mais il est trop beau. Il est trop beau.
à côté sur de ta mes prochaine silos vidéo, tu iras tamer. Tu iras tamer plein de. Et ça commence à vous en faire des dinos, mine de rien, là. Ah, c'est mes smilodons. Yo Seb, bienvenue. Après, j'ai mes... Ah, d'où la suggestion, Olivier, d'accord, t'as vu le... ok, ok. J'ai mon pull mono Scorpius. Qui est super, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien, Scorpion. Bon, voilà. Allez, alors... on va chercher ce loup 120. On ferme la porte de la maison. Elle est bien fermée. Ouais, ouais, c'est fermé. Ok. Ok. Allez, c'est bandit. Ah non, attends. C'est bandit. C'est bandit, c'est bandit, c'est bandit. Attends, là... Oh my god. J'arrive pas à passer. Oui, Fenrir Rose, il est trop craquant. Mais moi, j'ai trop kiffé. Ah ouais, non, non, mais il est incroyable. Vous êtes trop fort. Merci, Seb. Non, pas moi, mais merci. Merci. Si Lola, t'es trop forte. Oh là là. Mais non, regarde, mais... Tu vas aller chercher ce loup de 120. Tu vas le jeter dans ton piège. Tu vas le coucher comme jamais t'as couché un loup. Et tu seras fier de toi quand il va se réveiller. Tu pourras l'appeler Médor et tout. Il te donnera la pâte. Tu lui donneras des croquettes. Oh, c'est vrai, Zerwell. Tu peux sniffer avec le loup pour chercher les notes d'explorer. Mais c'est trop bien. C'est génial. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Un Argent Full Black en repro, c'est super ça. Ouh, un Argent Full Black en repro, c'est stylé ça. Ok, donc c'est là où je vais commencer à mettre ma fourrure. Allez, bah j'espère que tu vas le retrouver déjà. Je pense qu'il a fait un petit bout de chemin. Bah merci de croire en moi. Il est là. En bas à gauche là. Oh c'est lui, tu tombes sur lui direct. Allez grabe le direct, let's go. Fais gaffe, y'a un Yuti. Oh, vas-y grabe le, attends. Attends, j'ai ma spyglass. Ouais, retire ta spyglass. Ouais, bah ouais, mais je sais plus Yuti. Où est-ce qu'il... Oh non, regarde, voilà. Il se bat là-bas. Oh, non, 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 récupère-le avant qu'il se tape avec le Yuti. Non, non, là c'est Yuti ça. Vas-y, oublie-le lui. Va chercher ton loup. Je tape... Ah, il est là le loup. Est-ce que oh, c'est joué. Lui. Est-ce que c'est lui. Oh, je dis, bah tu sais pas, tu verras, ça sera surprise. Regarde avec ta spy. J'ai plus d'énergie. Non, bah, c'est un loup 30. Perds de l'altitude. Ah bah jette-le. Perds de l'altitude avant de... Bah jette-le, tu vas pas le ramener. Bah oui, mais du coup, mais tu sais que t'es en retard sur mon truc, t'es en retard. Hein. Récupère de l'énergie. Oh non, il est en train de se battre. Ouais, c'est un loup blanc. Hein. C'est un loup blanc le 120. Faut pas qu'il se tape avec le Nuti. Bah oui, mais là il est en train de se taper en fait. C'est ça le truc. Ah, mais il y en a un autre là. 120, c'est lui. 120, c'est lui. Allez, opération extraction. Putain, je l'ai pas eu. Allez, opération extraction. Allez, encore. Deuxième tentative. Putain, c'est un loup 25. C'est qui lui? T'as combien lui? Ah, tu as acheté. Ok. Il est mort. Yes. Non. Non. Trop blanc. Attends, c'est pas lui qui est mort à gauche là en bas? Non. Il me semble qu'il y en avait deux, mais ils ont dû mourir. Ouais, je crois que là t'es mort. Ah! Il est mort ou pas, les gars? Ah, il y en a un autre là, 120. Ouais, vas-y. Ah, bah, c'est lui alors, du coup. Non, il y avait peut-être deux. Mais non, j'ai ma spy. Ah non, c'est bon. Allez, let's go. J'ai plus de vie. J'ai plus d'énergie. Je fais comment? C'est pas grave. Vas-y, continue tout droit. Déjà, une fois que tu l'as écarté de la zone, de toute façon, t'habites juste à côté. Ouais, mais j'ai plus d'énergie. Atterrir dans une zone safe. Atterrir dans une zone safe. Tu vois, mets-le dans le fossé là. Dans le fossé là? Ouais, tu mets dans le fossé tranquille. Juste le temps de récupérer, ensuite tu le rechopes. Ou à moins que tu sois juste vraiment à côté. Bah voilà, là tu surveilles, tu récupères. Ok, bon. Gaffe, tu vas te faire piquer par un moustique. J'espère que t'as pris ta citronnelle. Non.
Allez, let's go. J'ai noté ça. Ouais, on n'a pas le temps. Ok, let's go. L'ulti, un rugissement qui fait fuir. Ouais, c'est ultra dangereux, l'ulti. J'adore, moi. C'est un de mes dinos préférés, l'ulti. Et je vais jamais réussir à le mettre dedans. Voilà. Allez, on y est. Allez, là, ça va être le moment drôle, les amis. Accrochez-vous. Allez, peut-être du premier coup. Oui. Jump. Oh, let's go. Bah, GG. Voilà. Bah, merci. Alors, c'est... Tu vois, tu t'insistais pour pas faire de piège. Oh, bah, regarde, il se pose. Mais il va réussir à se barrer, non? Mais non, t'inquiète. Mais j'arrive pas à le toucher. Ah, si. Ah, du premier coup, hein, franchement. Tu vois, tu doutes de toi, Lola. Merci, Frankie. Tu doutes. Il n'est pas de doute, Lola. Ouais, c'est pas le même look que l'autre. Il est beau aussi, tu vois. Ah, ouais, mais je peux pas faire de repro du coup, mais c'est pas grave, j'ai rien retamé. Tu peux pas faire de repro. Ah, parce que ça, c'est un loup sinistre. C'est pas la même espèce, ouais. Voilà. Ah, mais bon, pour moi, c'est. Oh, un éléphant. Dès que j'arrive, que je commence mon aventure, mon objectif, ça va être de tamer un éléphant. Faudrait de la prime. Mais sur un éléphant, il y en a pas. Ou il y en a. Ne tue pas cet éléphant là. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Tu sais que moi, la première fois où je vais venir te voir. Ah, bah, c'est un level 15. La première fois où je vais venir te voir dans le jeu pour ma série, je viendrai nu sur le dos d'un éléphant. Oh là là. Cheveux au vent. Tel un Georges de la jungle. Je dirais. Salut, jeune femme abandonnée et aventurière. Je suis Patch Curtis, le dieu de la forêt de Sequoia. C'est Tarzan, quoi. Il me faut de la Dumbo, prime. Je te présente Dumbo, mon fidèle destrier. Y a de la prime sur quoi, déjà? Vas-y, aide-moi, là. Genre des brontos. Stego. Des gros dinos, des go peut-être un peu. Ouais. Je dois partir, désolé. Salut Seb, merci d'être passé. À et très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, c'était go, ouais, tu peux. Ah, Yuti, vas-y, à la pioche, voir. Peut-être. Ah ouais, t'en as. Coucou Seb. Je vais déjà rapporter ça là. Il est 15h22, je croyais qu'il était 19h. Ah ouais? Ah bah quand même. Ouais. Ah, il y a une nuance quoi. Bon, bon, bon. Les beaux petits loups. Ah voilà. Hop. Ça me dit sa viande normale aussi. J'ai vite la viande normale. Pourquoi? Parce que s'il mange la viande première et qu'après il se retrouve sans viande, ça va te faire baisser ton timing en fait. Il va se réveiller. Enfin, ça va te faire recommencer tout ton timing. Ah ouais. En gros, faut toujours qu'il ait du stock à manger. Si au moment où il doit manger, il a plus rien à manger, il y a tout qui retombe. Mais là, c'est worse ou pas ce que j'ai fait du coup? Pour deux ah viandes ouais, sup. Ah ouais, carrément. C'est bien. C'est ok. Bien. Je pense que si c'est ça. Ça aurait été mieux si tu le mettais full. Oui. Mais déjà deux, c'est toujours mieux qu'un. Oui, on va éviter de mourir. Il y a Zerual qui te dit tu vas tamer le giganotosaure et le titanosaure. Et qui ça, Zerual Lola? Le gigano, oui, ça va arriver dans l'aventure, le titano. Lola, elle va tamer son premier gigano. J'espère que je serai là quand même. Bah pourquoi j'y serais pas là? Bah on sait jamais quoi, c'est... Ouais bah j'imagine que c'est dur, oui. Ah bah un gigano ça se mérite les gars, hein. C'est...
Ah, le gigano, c'est pas le petit timing, hein, c'est. Déjà, quand tu tames ton premier ex, t'as une sorte de petit. Comment dire? Moi, j'attribuerais un petit trophée quand même du guerrier, quoi. Enfin, le trophée du chasseur, quoi. Le trophée de chasse. Le Rex, c'est déjà la première étape où là, tu te dis, ouais, ok, j'ai tamé mon T-Rex, quoi. Après, quand t'arrives au gigano, c'est. Ça se prépare. Ça se prépare, ça se réfléchit, ça s'organise. Et il faut rester lucide pendant toute l'opération. Tu m'étonnes. Et puis après, bah, quand il se relève et qu'il est à toi, bah là, t'es. Là, c'est incroyable. Le spino aussi, ouais, le spino aussi, c'est sport. Hein. Tamer son spino, c'est pas rien. Le titano, c'est plus dur. Ah ouais, le titano, c'est encore une autre. J'en ai encore jamais tamé, mais je crois que je vais en faire un en vidéo parce que je sais qu'il y en a sur The Island. Donc je pense que je vais le faire en vidéo sur la nouvelle saison. Mais ouais, le titano, ouais, ça se tame à coups de boulet de canon. Donc faut fabriquer des boulets de pierre. Et pour les boulets, il faut, je sais plus, 150 métal, je crois, par boulet de canon. Et je crois qu'il faut à peu près 200 boulets de canon pour coucher un titano. Donc ouais, c'est ça se prépare aussi. Ouais, ça doit être énorme. Ouais. Il faut un quetzal, ouais. Ouais, tu mets ton canon sur le quetzal et puis let's go. Hein. Le là le mérite amplement son giga, oui. Ben ouais, mais moi j'ai hâte. Je serai là, je pense, Lola. J'essaierai de trop rien dire, tu vois. Mais je te coacherai sur les bases. Et puis après, let's go, hein. Ça sera entre toi et lui, hein. Bah après c'est comme un T-Rex, hein. Tu fais le Non, piège, tu non, l'attires dans le non. piège et c'est bon. Oui, mais non. Pas comme un T-Rex, Lola. C'est le même C'est. principe avec le piège. Ouais, c'est. Il y a un piège. C'est Ok, ça que il je y a veux un piège. dire. Ouais, il y a un piège aussi. Ok, bah merci beaucoup d'être resté, Zachary. Je te fais des gros bisous et puis bon après-midi à toi. Salut Zachary! C'est différent, ouais. Alors, moi sur mon aventure Lost Island, j'avais tamé un gigano, je l'ai piégé, il m'a croqué, il m'a one shot. Une fois qu'il était dans le piège. Ensuite, j'en ai retamé un deuxième sur Fjordur. Je crois que le deuxième ne. Non, le deuxième, tout s'est bien passé. Et le troisième, j'ai pris un sale croc aussi, quand j'étais au biome du volcan. Il faut des portes de dino géantes, ouais. Et en métal, Ouais, bah si possible. là. Ah bah oui, là. Et des pièges à ours. Et si vous êtes en serveur officiel, beaucoup, 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 beaucoup de pots de narcotiques. Parce que c'est une torpeur très rapide. Salut Neko, bienvenue à toi. Coucou Nico. Ah, je m'étire. Ben, Ah, c'est compliqué, hein. on devrait avoir une mise à jour aussi bientôt avec le Carcharothosaurus, je sais pas quoi là. Apparemment qui serait un nouveau carnivore intégré à Ark. Qui serait à peu près l'équivalent du Gigano, qui rivaliserait avec le Gigano. J'ai hâte de voir ça. Ah, le Quetzal, j'en ai jamais tamé. Salut, le timing du premier Quetzal, c'est pas mal aussi, c'est sport. Ouais, carrément. Carrément, Rizia. Le premier timing de Quetzal, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'essaie de réfléchir comment je ferais, comment j'avais fait sur Lost Island. Ah, mais sur Lost Island, j'avais les Cinomacrops qui me permettaient de voler. Du coup, je volais jusqu'au Quetzal, je lui mettais une flèche jusqu'à ce qu'il tombe. Et ensuite, je lui posais les pièges, les portes dino sur lui. Et quand, comme ça, quand il se réveille, il est coincé. Mais là, sans Cinomacrops, ça veut dire qu'il faudrait se faire porter par quelqu'un qui est en aigle, par exemple. Tu te fais grab, prends ton filet, t'arrives au niveau du Quetzal et tu le couches. Ou accrocher un terrain, ouais. Bisous Olivier, merci beaucoup d'être passé.
Salut Olivier. Merci beaucoup Olivier, à bientôt. Mais tu veux que je t'aide, éléphant? Avec ton gros cul là? Comment il m'a boulé? J'adore les éléphants sur ce mode, c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien en ta mère, mais ça va me prendre trop de place et je vais même pas m'en servir. Donc, Moi, je vais tamer un rat. Il y a des Oui. rats dans le mode. Oui. Je veux plein de petits rats Et chez moi. des tout petits rats et tout, c'est trop mignon. Ouais, et il y a des petits serpents aussi. Ouais, On on les en a a pas pas encore vu. vus. Non. Je pense qu'il y en a peut-être dans les marais ou dans la forêt de séquoia. Vous, les amis, dans le chat, vous dites forêt de séquoia ou Redwood? Ouais, bah. Tout le monde dit la Redwood. Ouais, moi j'aime Mais bien moi, dire j'ai toujours Redwood. dit la forêt de séquoia. Parce qu'aux Redwood, États-Unis, ces c'est. arbres-là, ça s'appelle des séquoias, en fait. Oui, mais Redwood, c'est plus simple, tu vois. Forêt de Redwood. séquoia, tu vois, c'est long. Ah ouais, je sais. Pourquoi on appelle ça la forêt de séquoia? Yeah! Donnez-moi un nom, les gens. Pour le Allez! loup. Donnez-moi un nom. Donc, personne ne dit la forêt de séquoia, il n'y a que moi. Ah, mais j'ai des pierres sur moi, ça le fait peur. Bon, allez, viens, suis-moi. Alors, comment on l'appelle? Non mais Wolf, oui je veux bien, mais pas pour le premier. Oh, surtout que c'est une fille. T'es une fille? Oui, c'est une fille. Appelle la Chiquita. Non. Oh là là. Elle a le regard qui tue, non? Oh les rêves là-dedans. JPP quoi. JPP. Vas faire l'histoire avec Patch, ouais. Moi j'aime bien Wolfie. Wolfie, c'est bon. C'est mignon Wolfie. Oui bah Patch il va venir sur mon serveur, là je suis sur un serveur. Je commence bientôt, les gars. Je devais rec aujourd'hui, mais j'ai un peu mal à la gorge. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix. Ah oui ouais, ça on l'entend. Ah donc Donc, voilà, on peut comparer les deux loups. Le loup modé ah à ouais. gauche et le loup normal à droite. Bah, les deux sont beaux. Le loup modé paraît plus gentil. Il est plus doux. Wolfie, c'est mignon. J'ai un truc qui m'a étonné. En gros, je m'appelle Curtis et j'ai cru que tu me parlais à un moment donné pendant l'une de tes vidéos, ça m'a tué. Eh ben, enchanté, Curtis. C'est vrai que de On base, dirait un c'est un renard. prénom. Ouais, Hein. c'est ça. Astra, c'est bien ça. Ouais. Attends, ça c'est quoi? Ça c'est une fille ou c'est. C'est un mec. Bah, écoutez, on va mettre Astra pour elle. Et on va mettre Wolf, du coup. Wolfie, ouais, Wolfie c'est mignon. Wolfie, ça passe pour un mec aussi. Hein. Et... Voilà. Wolfie avec un i ou un y? Avec un i? Si c'est pour une fille, je dirais IE même. Non, c'est un mec là. Y, C'est pour hein. un mec? Ah bah Y alors, ouais. Voilà. Bon, bah, ils se reproduiront jamais, mais ils seront amis tous les deux. Bon, voilà. Bah oui. J'irai bien rechercher un Voilà. autre. Non, par contre, pas bouger. Tu ne bouges pas. J'irai bien rechercher un autre. Ah oui, je devais regarder sur Steam. Bon, quand... Ah non, mais c'est pas sur Steam, c'est sur l'Epic Game Store. Attends. Où est-ce que j'ai vu cette info? Alors. Donc, quoique Ark allait être gratuit bientôt. Je crois que c'est à partir du 22 en fait. Le 22, c'est quand? Oh, je sais pas. Je dois y aller. Salut, bon live. Salut Lily Rose! A plus. Bisous, merci d'être passé. J'aurais pas les mêmes créatures sur les DLC.
Ah oui, sur les DLC différents, ouais, on va avoir des créatures différentes. Ah ouais, j'ai la mise à jour Fortnite, moi. Il y a la nouvelle saison Fortnite. Alors, Tu vas la faire? Activision. La nouvelle mise à jour de Fortnite. La saison, tu vas la jouer? Comme d'hab, hein. Comme chaque saison, je suis en poste de Mais... combat. Hein. Oh là là... Non, mais là, le dernier, je l'ai fait parce qu'il y avait Dark Vador. Il y a une promo sur les DLC? Ah, ça m'intéresse. Sur Extinction, il y a des titans. J'ai trop hâte de la faire, Extinction. Celle que je redoute le plus, et je pense que c'est celle qu'on fera en cluster, les amis, c'est Aberration. J'ai pas envie de me refaire Aberration en partant du début en slip et tout. J'ai pas envie d'y passer 2 mois et demi sur Aberration. Je crois que sur Aberration, on va y passer vraiment en cluster de chez cluster. Et on va y aller, péter la gueule au boss, faire des grottes, tu vois, récupérer les artefacts, aller chercher les dinos un petit peu emblématiques d'Aberration. Mais on ira plus en mode braconnier là-bas, quoi. Braconnier en cluster, quoi. Parce que recommencer de zéro sur Aberration, c'est un enfer. Parce qu'en gros, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. À la base, donc Fjordur, on a toujours le serveur. Moi, à la base, je me suis dit, je vais faire tout en cluster et on va refaire toute l'histoire du jeu. Vous allez vous faire Rockwell. Ouais, c'est ça, zéro. Et regardez comment il est trop beau, il est tout blanc. Oui, Regardez au magnifique. soleil. Il est beau, hein? Ouais, on aurait pu appeler Croc Blanc. Non, c'est une Et fille. l'idée du coup, bah, Croc Blanche. Oh là là. Et du coup, bah voilà, donc j'avais mis un sondage sur ma chaîne, vous avez répondu à 75% qu'il fallait que je recommence tout de zéro sur The Island, donc on recommence tout à zéro, ok. À part peut-être pour le boss final, je sais pas si je vais avoir la flemme de faire de la repro de T-Rex ou pas, on verra bien. On verra bien, ou alors on fera peut-être avec autre chose, on verra. On voit, ça peut le faire. Et sinon, je récupère les Shadowmen de Fjordur. Ouais, je pense que c'est C hein, pour les On va se notes. taper Rockwell avec les Shadowmen. Ouais, la Tech Cave, c'est ça. Et donc, voilà. Ensuite, partir en cluster. Donc, faire Aberration. Faire Scorchheaders. Ensuite, Extinction. Et ensuite, Genesis partie 1 et partie 2. Salut Valérie! Valérie, c'était Raphaël, je crois, c'est ça? Je crois que c'est pas Valérie. Ah, il y a une note là. Ah ouais. Mais Ah bah tu vois. je l'ai déjà Ouais. prise, mais ouais, en Ah gros, c'est ce que ça fait, quoi. Là, il y a une note là-bas aussi, mais j'ai déjà prise. Ok, c'est cool. c'est vrai que c'est bien ça, tu te balades sur toute la map. Ah, c'est Raphaël, hein, c'est ça. Vous allez vous faire l'armure tech. Bah ouais, carrément. Hein. Carrément. Après, moi, le tech, c'est vraiment quelque chose que je mets toujours de côté dans mes aventures. Parce que j'aime le côté survie, j'aime le côté un peu réaliste. Et au tout début, quand Ark est sorti, il n'y avait pas tout ce qui est truc tech et tout machin. Enfin, au tout début, parce que personne ne le savait. Mais voilà, j'aime bien, voilà, quand tu vois les trucs tech, full tech et tout machin, bon, faut s'y faire. Mais voilà, genre sur Genesis, ouais, ça s'y prête. Mais sur The Island, voilà. Donc ouais, je pense qu'en faisant les boss en alpha, bah, on aura débloqué tout le tech. Et puis voilà, mais je me demande si le... Est-ce que la tech cave, on peut la faire avec les giganos de Fjordur? Ça, le truc qui pourrait être pas mal. Parce que l'affaire avec des T-Rex, c'est déjà vu et revu, quoi. Et si on ramène les giganos de Fjordur, les giganos, les Shadowmen, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait faire un combat épique.
train de donner quoi? Un Tera 125. On peut pas les Giganos. Ouais, ouais, non, non, pas les Giganos, les Shadowmen. Les Shadowmen que j'avais sur Fjordur. Je dois y aller. Bisous et bon live. Bien. À bientôt, Julien. Bisous. Au plaisir. Bon dimanche. Alors, où est-ce que j'ai vu? Ah, je sais plus, les gars. Mais je crois que Ark, ça sera sur Steam. Ah, bientôt disponible. Ah, voilà. Du 22 septembre au 29 septembre. Sur Steam? Ark Survival Evolve. Sur Epic. Ah. C'est nul. Alors, c'est déjà bien pour y jouer. Oui. Mais par contre, c'est relou parce que tu peux pas mettre de mode. Bah, c'est après, ça. Si tu veux déjà jouer à Ark tranquille, sans mode et tout, et jouer au jeu comme, comme il se doit. Oui, genre le découvrir. Sera... C'est ouais, sûr voilà. Que... Ouais, ouais. Et ben, il sera gratuit. Gratuit sur Epic Games. Ça, c'est bon, ça, pour ceux qui n'ont pas encore Ark. Bon, pour ceux qui sont sur PC aussi. Ouais, franchement, c'est bien. Puis après, tu l'as pour toujours. Donc ça, exactement. C'est génial. Ça va être long, les boss en bêta, alpha et gamma. Oh, mais je vais même plus m'embêter à les faire en bêta, moi. Enfin, ça dépendra, en fait, ça dépend du niveau de ton armée. Ça dépend de ce que t'as produit en breeding. Si en breeding, t'as eu la flemme et t'as fait vraiment des petites équipes ou quoi, c'est pas très très fort. Enfin, c'est fort, mais voilà. Bah, tu les fais en normal et puis basta. On va peut-être pas s'amuser à faire tous les boss... tous les boss en bêta, alpha, gamma et tout. Oh, on verra bien. Gamma, ça suffit, ouais. Mais Fenrir, les amis, je me suis rendu compte que j'étais le premier youtubeur FR, et avec Lola du coup, à faire Fenrir en alpha. J'ai été voir des Français qui ont fait Fenrir en alpha, il n'y en a pas. Ouais, là, il n'y a pas... Il n'y a pas de loup au level, hein. Non, j'en ai pas dans kilo. Ouais, faut que je monte à main. Ah, c'est chiant. Il n'y a pas de... Loup 70, loup 10. Ah, loup 110. Je pense que je vais prendre lui. Hein. Oh, on dirait un renard en plus. J'adore. J'avoue. Ah bah t'es là, je parlais plus. Un ankylosaure, Lola? Ouais, je crois que t'as un ankylo. Hein. Non.
Non, tu l'as pas écouté. Non, non. Mais t'as pas écouté. J'ai déjà non, répondu j'étais en train à de ça. De répondre à JB, un copain de Bordeaux. Ah. Félicitations à vous. Pour la Broodmother, je vous conseille une armée de Megatherium. Ouais. Ah, il y a moyen que ça parte sur les Megatherium. Megatherium et Terry. On se fait un petit mix des deux. Ouais, mais j'ai pas Moi, regardé. Je vous ai pas dit où j'allais me poser, les gars, encore. Ah, c'est ah, un mâle, c'est bien. Non, faut que ça soit un mâle, parce que j'ai une femelle, là. Coucou Free. Salut Fruxys. Eh non. Là ça a pas marché. Au centre, tu vas te poser le corail. Megatherium, Allosaur et Teresinosaur pour le dragon. Ouais. Alors l'avantage, ouais, c'est que les herbivores, justement, sont mieux protégés aux attaques du feu du dragon. Oh merde, la porte elle est ouverte. Okay, ouais, non, du coup, je vous dis pas où je vais me poser sur The Island. Mais de toute façon, j'ai déjà dit dans une vidéo, donc ceux qui regardent vraiment les vidéos savent. Ah, yes. C'est quoi que tu tames et repache. Alors là, elle tame un loup. Alors, monsieur Curtis, t'avances bien? Je me suis pas quoi encore, j'ai pas commencé. Je m'estime en vacances. Je me suis battu contre Fenrir hier, j'ai fini une longue série. En fait, je voulais rec. Le mieux, l'idéal, ça aurait été de rec hier et de publier aujourd'hui. Ah, t'es bien, petit peu du dimanche soir. Mais je pense commencer mon aventure demain. Comme ça, tu vois, j'aurais fait une petite coupure entre Fjordur et The Island. Et comme ça, demain, je fais mon rec et je publie mardi. Ah, t'as trop peur. C'est à moi? Ouais, c'est ce qui te dit, Free. T'as trop peur. Non, pas du tout, c'est juste que ça me fait une petite coupure. Ça me fait une petite coupure. Non, puis j'ai mal à la gorge, ça doit s'entendre. Ouais, ouais, ça s'entend bien. Ouais. J'ai mal à la gorge. Je fais que tousser. J'ai un poil de pégo dans la gorge. Mais arrête de tourner en rond! Mais j'ai pas l'impression de le toucher. Alors si t'as pas le hit marker, c'est que tu le touches pas. C'est un peu bizarre. Tu sais ce que t'es basse? Pas. Ah voilà, là ça touche. Berk, le poil de pégo dans la gorge. Le sac à puce. Voilà, elle met une petite derrière l'oreille là. Ah dommage. Ouais Lola. Vas-y Lola. Ouais, tu non, sais mais... que là il est pas. Non mais vas-y monte, monte dans la cage. Il a encore peur, il va pas t'attaquer. Voilà. Vas-y fume. Voilà. Une fois qu'il a encore peur, tu peux y aller là. T'attaqueras plus. Allez dodo. Allez. Il va pas tarder. Ah, c'est bon. Je me souviens de mes kibbles volés par un pégo. Ah quelle horreur. Force à toi Corail. Ah c'est... Ouais les pégos c'est des crises de nerfs. Mais je crois que les pires c'est vraiment les mouettes quoi. Les mouettes, quand tu démarres sur la plage et que ton stuff il est important et que ça te vile tes. Ça te vole tes petites fournitures précieuses, tu vois, du début. Enfin, les mouettes, c'est une horreur. Ou quand tu vas tamer, tu vois, et que t'as des. Genre, par exemple, tu mets tes carottes, tu vas les tamer des écusses, tu mets tes carottes dans ton dernier slot. Et là, t'as ce putain de mouette, ce pégo qui arrive, qui te vole tes carottes et que tu retrouves plus. Que tu tues mais qu'il a bouffé tes carottes. Oh là là.
Ah, le pire, c'est les mouettes. C'est vraiment les... Je déteste les mouettes. S'il y avait un mode pour retirer les mouettes, je le ferais. Oh. Ah, je déteste les mouettes. C'est ma hantise. Bah oui, mais ça fait partie du truc, quoi. Du jeu vidéo. Ouais, je suis d'accord, mais... Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la prime là-dedans? Oui, il y a bien un mode patch. Un mode anti-mouette. Oh non! Non! Oh, le rejette les mouettes, ce qui est pas mangeable. Oh bah yes! Bah Lola! Je me suis trompée de touche. Je me suis trompée de touche. Ah bah y'a pas, c'est des choses qui arrivent hein. Ah mais il y a toujours ça quand je réapparais, c'est bizarre. Oui, alors ça c'est une mangeoire ou alors ça... Ah c'est chiant. Mais c'est à chaque fois quand ça réapparaît, horrible. Quand je réapparais, à chaque fois ça fait ça. Et après ça s'enlève. C'est peut-être le mode qui fait ça. T'es vraiment pas loin, hein. T'es loin de rien là, t'es bien. Hein. Bah ouais. Il est bien ce spot. Hein. Oh, il y a un raptor, putain. Ah ouais. Ah non, bah fais attaquer cette île. Et tu fais ton aigle à attaquer cette île. Faut le tuer. Hein. Oh là là, le move, joli. Voilà, Dibi. Et là, c'est un raptor. Ouais, je peux pas voir. Parce que Shadows, vous allez crever de chaud. Ouais, grave. Mais c'est bien, ça va me rappeler des souvenirs. Il a l'air coriace ce raptor, hein. Ça a l'air d'être un gros. Oh là 110. Là. Il y a un alpha juste à côté, putain. Ah, tu iras sur la mangeoire et tu restes appuyé sur... Il est con, pourquoi il me laisse toute seule? Oh bah yes. Ah, ils te suivent, c'est bon? T'es à leur portée? Non, il suit le pteranodon. Punaise. Ah ça c'est bon ça, ça c'est du gameplay. Ok et ça je fais comment du coup pour qu'il redescende? Ah c'est bon. Oh my god. Il est con cet aigle. C'est ça qu'on veut. Bien joué là. Là c'est beau aussi hein. Là franchement il y a de quoi faire des trucs hein. Moi, je voulais juste de la prime. De modifier tes paramètres comme plus d'XP. Alors, le serveur, il est au petit pour la création de contenu. Donc, effectivement, on gagne un peu plus d'XP, mais il n'est pas cheaté. Il n'est pas boosté cheaté. Il est juste optimisé. Il est bien paramétré, on va dire. Donc, on farme un peu plus quand on tape dans des arbres ou de la pierre ou quoi. On gagne un peu plus vite de l'XP. On va un peu plus vite sur le timing. Et beaucoup plus vite même sur la même pas, route. Je crois. Même pas. Les gamelles, c'est comme les Morellatops, ouais. Ah, je vois que tu connais le mode, Corail. Oui, c'est ça en tout cas. Hein. C'est comme des Morellatops. Ça se voit. Ouais, il est bien opti. Il est bien opti. Mais il est opti pour que tu continues à jouer au jeu, à t'amuser sur le jeu, à continuer à tryhard sur le jeu. Mais que ça nous permette aussi de faire des vidéos assez régulièrement. Parce que si on se mettrait sur un serveur public, bah déjà il y aurait des maisons de partout. Oh regarde la panthère blanche là. Il y a un lion. C'est un lion. Et des fois par exemple au niveau d'un timing de Rex ou même de la repro de Rex ou quoi machin, ça prendrait une éternité de temps. Et pour la création de vidéos, c'est pas possible. Pour qu'on puisse avancer un petit peu plus quand même.
Il y a un bronto, Attends, c'est parfait. Il y a écrit Bardo comme le Morel à Taps. Ah ouais. Bah, Patch, il me dit que les level bas, faut pas les tamer, alors... Bah, level, ouais, c'est... Le lion, ça... C'était ça... 75. Ah non. Minimum level 100, quoi. Ah, c'est minimum. Non, mais tu me connais, hein, je t'aime que du 150. Ou... Bah oui, mais là, sur The Island, t'en as pas à foison du 150, Patch. C'est hyper rare. Donc, ouais, à un moment donné, faut sortir les doigts du cul et... Bah tant pis, tu fais plus de repro, mais tu le fais, quoi. Je me fais engueuler, les gars. Ah oui, bah moi aussi, zéro, là. J'en ai marre de mourir. Hein. Je suis comme toi. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Et voilà! Pat se fait victimiser. Non mais t'as vu, j'ai pris tarif gratuitement quoi. C'est... Alors, non! Oh, y'a un cheval. Un destrier. On prend pas tarif, nous? Oh, vous inquiétez pas pour lui, il saura bien me le rendre. Bon, bah on va le tuer, hein. Tu veux que je te tue, c'est ça? Tu veux la mort? Il a raison, Patch, minimum 130. Même si c'est galère à trouver. Voilà, merci Rizia. Bah ouais, mais... du jeu vidéo, hein. Oui, mais sur The Island, tu t'aimes rien, en fait, si bah, tu c'est pars rare, comme bah, ça. Tu rôdes, tu rôdes. Bah oui, non mais tu vas pas rôder jusqu'à je sais pas combien de temps. Moi je préfère tamer par exemple un 125 comme le loup. Et de toute manière, j'irai en retamer un plus tard et tout. Et si j'en vois un mieux, bah j'en prendrai un mieux. Mais en attendant, bah je vais pas juste rester là, attendre. Il y a un 150 quoi. Oh la boucherie quoi. Je vais même pas avoir une viande... Bah, normalement si t'es censé là-bas. Par contre rentre bien dans son ventre parce que là je crois pas que tu récupères. J'ai eu aucune viande sup. Oh la douche. Aucune. Ah mais l'aigle je crois que ça farm de la viande première, je suis pas sûr. J'avais peur de vous manquer, j'ai perdu l'internet. J'ai perdu l'internet. Quelques minutes. J'aimerais bien savoir le patch s'est fait victimiser. Ah bah j'ai pris tarif, hein. J'étais là en train de donner un petit conseil et puis bon bah voilà. Hein. Oh bah après, c'est tout, hein. On encaisse, hein. On encaisse, on a vu l'autre. Ça récolte mieux que toi les gens. Ah donc ça récolte mieux déjà que moi. Ah bon? Je pensais que c'était le contraire. Et les amis dans le chat, pour ceux qui ont suivi la saison sur Fjordur, est-ce que vous voyez qui c'est qu'ils disent dans le chat là? Est-ce que vous voyez qui c'est qu'ils disent? Là, si t'aimes pas mourir, va à l'île de Carnivore, tu verras l'accueil. Ouais bah j'irai surtout pas maintenant là. Tu vas faire le challenge 100 jours hardcore. Ah il y a une note là. Ouais c'est une bonne question ça. Et le challenge 100 jours hardcore c'est 100 jours sur arc. On est d'accord, c'est pas 100 épisodes. Bah c'est 100 jours en mode hardcore. Et en mode hardcore en gros c'est quand tu meurs bah t'as perdu. Tu te recrées un survivant. Un survivant. Frigis, il dit pour Lola, impossible.
Gentil ça. Tu perds tout, ouais, même ton personnage et tout quoi. Bah oui. Tu veux faire le challenge? Non. Non, là je suis déjà sur un truc là, je... Mais est-ce qu'on peut faire le challenge en faisant 100 jours en accord, en restant dans sa maison? Moi je vous le laisse hein, le challenge hein, pour les pros là. Ah là, vous ouvrez moins votre bouche là, les pros, hein. Mort de rire le contenu. 100 jours, parfait. Ouais, t'inquiète pas, ma soeur, je le ferai. Je compte pas le faire là, hein. Ça c'est mort. Va tamer un rec sur l'île au carnivore. Non, non, le fais pas, Lola. Ah, je le ferai peut-être un de ces quatre. Un éléphant. Ah, t'as vu, Cora, ils sont trop beaux, les éléphants. C'est un des premiers trucs que je vais tamer, je pense. Ah, il y en a partout, j'ai l'impression, des éléphants. Ouais. Un loup blanc, un loup roux. Et Lola veut pas le tam? Bah Lola, tu sais, c'est elle tam, hein. Regarde, elle a tamé quoi? Elle a tamé deux loups, un ptera. Qu'est-ce que t'as tamé aujourd'hui? Du coup, résultat des courses, là. Bah, trois loups bien tamé, là. Et un trois ptera. Loups, ouais. Trois loups et un ptera. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux pas tam? L'éléphant. Ah Lola, bah, j'ai pu revenir. Remils. Pas pour le moment, parce que j'ai pas de place, quoi. Vous avez vu, là, c'est énorme. Non, pas maintenant, et puis j'en ressens pas le besoin pour le moment, donc... plus tard, mais là, non. Eh bah, remils. En tout cas, moi, c'est ici que je vais vous laisser sur la fin de ce live. Ça fait déjà 2 heures qu'on est en live, donc on va s'arrêter là. Moi, je suis un peu fatiguée, donc je vais faire une pause. C'est un très bon live, là. Une pause arc. Et voilà, quoi. Mais j'en referai hein, tous les dimanches si je suis pas trop en avance sur mes... Enfin, de toute façon, je suis jamais en avance sur mes épisodes, mais... Est-ce que tu peux leur montrer la tête de Frixiz? Non. Je leur ai demandé s'ils savaient qui c'était Frixiz. Non, non, là, sur le live. Là, je peux pas montrer... non, là, c'est pas possible. Mais ils le verront un jour en vidéo. Ça marche. Mais là, non, là, je ne peux pas. Là, je suis obligée de faire toute la route. Non, c'est mort. Je montrerai pas. Mais non, allez sur les vidéos de Patch et vous allez voir le Frixiz. Bah, montre-lui là, c'est là, je crois que c'est sur la deuxième vidéo où on croise GT et Free. Ou alors... Oui, sur l'épisode 2. Sur l'épisode 2 du Let's Play de Patch. Et bah merci beaucoup, et bah passez une bonne fin d'après-midi, je vous fais de gros bisous. Ah oui, bah oui, là où oui, il a tamé la licorne avec moi, ouais. Ah bah voilà. Je l'appelle comment celui-là? Tu l'appelles le live? J'ai envie de l'appeler Roxy. Live. J'ai envie de l'appeler Roxy. Ah bah ouais. Vu qu'il est roux. Roxy ou Roxy. Ou Foxy. Non, j'ai déjà tamé une licorne sur Fjordur. Bah avec Free justement. Si on la croise, ça dépend. Si on la croise, on la tame. Faut déjà la trouver, le plus dur, c'est de la oui, trouver. Oui, voilà, c'est ça. Allez, je vais l'appeler... Roxy... Roxy... Allez, Roxy. Allez, Roxy. Voilà, c'est Roxy.
Et bah, du coup, Acronior, Rookie, Roxy, Foxy. Non, mais n'importe quoi, toi. Zéphyr, Cronior. Bah, gardez-les, ces petits prénoms-là, je les mettrai pour d'autres loups. Bon, en tout cas, j'essaye de poster une vidéo tous les jours ou alors une vidéo tous les 2 jours, hein, ça dépend de mon travail à côté. Et sinon, bah, je réessaierai de faire un live le dimanche prochain, du coup. Moi, je vous promets rien, mais en tout cas, je vous mettrai dans l'onglet communauté quand je ferai des lives, et rejoignez le Discord aussi. Parce que du coup, bah, vous êtes avertis là-bas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à la chaîne de Patch. Et voilà quoi. Bisous, bonne fin de journée. Salut tout le monde, ciao ciao!